Et yop tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nexion. Alors aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial car c'est un duel de pillage contre Price. Du coup spécialement pour la vidéo je m'étais mis le grade partenaire pour voir plus de cet homme parce que c'était compliqué, parce que j'avais pas assez de cet homme sinon je perdais ma base et tout pour faire du coup la vidéo. Donc je me suis mis un grade pendant 3-4 heures le temps de faire la vidéo. Mais du coup aujourd'hui c'est un affrontement qui s'est déroulé extrêmement tard, du coup c'est normal si je ne parle pas fort durant la vidéo, c'est parce qu'il est quand même 3-4 heures du matin. Donc pour faire une vidéo de pillage à cette heure-ci, bah on parle pas très fort. Mais du coup vous allez voir bah qui a gagné ou non, y a-t-il un gagnant ou non. Et du coup vous aurez la récompense de la vidéo soit sur la chaîne de Price soit sur la mienne, vous verrez bien en fin de vidéo. Et du coup qu'est-ce qu'on avait misé? Moi de base je devais miser une photo et lui des points boutique. À la fin la photo que j'avais je l'ai pas retrouvée, du coup des deux côtés ce sera des points boutique et du coup vous verrez en fin de vidéo et eh bien qui fera gagner des points boutique sur sa chaîne. Aussi si vous voulez plus de duels de pillage, on se fait un objectif de 100 likes. Et bien sur ce les gars, je vous laisse avec ce petit duel de pillage. Bonjour Price, ça va? Salut. Ça va et toi mec? T'es prêt à te faire bah pas piller, mais du coup on sait pas, peut-être que je vais encore te piller même pendant un duel de pillage. Par contre imagine tu trouves ma Skype. Franchement? On la compte ou pas? Franchement, non, mais bon. Après, j'ai noté les coordonnées, donc... Enfin, tu vois, ça, bon, je peux tomber par hasard dessus. Ah oui, mais, okay, par hasard, ouais. Donc voilà. Ok, ok. Donc, du coup, juste petit point de règlement. Donc, on part tous les deux d'ici, donc il y a un RTP. Second point de règlement, au niveau des base claims, on a le droit qu'à certaines ressources. Du coup, 16 TNT, 24 répulsives et un creeper. Du coup, côté pillage claim, ça va être très compliqué, mais... En vrai, c'est jouable, surtout qu'il y a beaucoup de base claim sur le serveur. En vrai, ouais, je pense pas qu'on ait le temps de piller une base claim si on a une heure. Bah, à part des buissons, j'avais souvenir que le dernier duel de piège, on avait surtout pillé des buissons. Mais du coup, on part sur une heure de délai, comme d'habitude, et après, on avisera en fonction de si vraiment on trouve rien pour le duel, on donnera un peu plus de temps. Si y en a un qui se retrouve millionnaire avec full titane, eh bien, on sera très bien. Mais du coup, bah, c'est parti. Chacun, on va partir chacun de notre côté, et je te souhaite une bonne défaite. Vas-y, bonne chance. Hop. En plus, t'as le stuff de farm, j'ai envie de te buter. Hein. Imagine, on regarde juste en dessous, il y a une base en fait. Bah, tu sais, c'est exactement ce que je vais faire, c'est je vais vérifier au cas où. Merde, il y a notre base. Bon, les gars, je viens de tomber sur un truc qui, à mon avis, déjà pillé vu qu'il y a une tower en haut. Mais c'est très bizarre en fait parce que je sais pas, il y a du verre là-haut et tout. En dessous, il y a une genre de semi-base, donc c'est très 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 bizarre. Du coup, je vais mettre un setup pillage au cas où. Pour ma part, je pense que c'est pillé. Hein. Mais si on peut récupérer quelques ressources pour battre Price, on va le faire. Regardez en dessous, il y a une, je pense, une ex-farm. Et vu le nombre de tours qu'il y a tout autour, à mon avis, ça a déjà été pillé. Ok, à mon avis, c'est une ancienne farm à potions. Est-ce qu'il y a un peu de ressources dedans? Même s'il y a un peu de stuff, ouais, ça va être vide. Hein. On va pas ramener le bois quand même, on va pas être dans l'abus. Et du coup, non, il n'y a rien dans les coffres, on va quand même regarder au-dessus, rien et rien. Je vais quand même voir s'il n'y a pas une sky parce qu'en haut, bah, c'est assez bizarre comment c'est mis. Donc je vais récupérer des blocs et on va voir s'il y a une sky. Bon, bah du coup, il n'y a rien en haut, les gars. Il n'y a pas de sky, c'est triste. Hein. À mon avis, c'était une ancienne trappe. Donc on va ressauter dans le vide, hein, comme les mecs qui tombaient, à mon avis, avant. Et on va essayer de trouver quelque chose pour gagner. Alors ma strat a enfin payé parce que du coup, je voulais me rapprocher un maximum du spawn pour trouver des pillages et ça a bel et bien payé. Du coup, il n'y a pas grand chose, mais si on peut déjà bien se mettre, actuellement, Price n'a rien trouvé. Donc on peut se mettre très très bien. Donc on va speedrun ça et espérer qu'il y ait des choses. La base est juste à côté de moi et maintenant, c'est parti pour piller. Du coup, je vais déjà récupérer l'enclume. Au moins, ça me fait quelque chose, on va dire, en termes de ressources de récupérer, vu que ça coûte du fer. Et est-ce qu'il y a des choses dans les fours? Ok, il y a un peu de charbon qu'on va récupérer. Je vais juste me débarrasser de toute ma merde. Mais pour le moment, rien dans les coffres. Ah, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a des choses. Juste un peu de stuff. Allez, ok, il y a un peu de ressources, quelques buissons, des chenilles, un peu de fleurs magiques. Du coup, quelques coffres. Ouais, par contre, c'est la base du pauvre. Allez, s'il te plaît, dis-moi. Non, mais vraiment? C'est quoi cette base de pauvre? J'ai 5 buissons? Non, mais. Le mec avait vraiment que ça. Ok, bon, bah, je suis dégoûté. Hein. Je vais lui faire croire que j'ai eu un putain de pillage, comme c'est les deg. Mais je suis quand même dégoûté. Du coup, on va ramener tout ça au home et on va essayer de retrouver notre base. Bon, je pense que je viens de tomber sur un TP kill, mais du coup, regardez ce que j'ai trouvé en ouvrant le coffre. Du coup, je pensais qu'il y aurait rien, donc j'ai pas record. Mais en fait, il y a quelques ressources, donc on va récupérer tout ça. Je sais pas s'il y a une base à côté, mais j'ai l'impression que c'est un TP kill. Alors, je viens de tomber sur une petite base claim, donc il y a pas beaucoup de coffres. Mais vu qu'on a un peu de TNT pour pied, bah, je vais les utiliser. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de pillage claim. Et en plus, là, normalement, ça va pas me coûter très cher en TNT. Bon, j'ai un petit accès à la base à partir d'ici, donc on va faire péter rapidement, mais à mon avis il y aura pas grand chose hein, vu que la faction en plus c'est les galériens et ça résume bien la vidéo du coup. Mais on va faire péter tout ça rapidement, à mon avis ça va pas me coûter énormément de ressources non plus. On va utiliser quelques TNT, au total on en avait le droit à 16, je pense en dépenser 4 et on va voir s'il y a des choses intéressantes. Et du coup il y a quand même quelques ressources, du coup un peu d'or, ok, et quelques minerais, mais du coup on va acheter tout ça. On va refaire péter une petite TNT, je sais pas si là les coffres vont encore péter, non, du coup on va utiliser une TNT répulsive pour pouvoir récupérer tout ça et normalement là ça devrait être pas mal, je pense que voilà. Oh, attends, mais il y a plein de trucs en vrai. Attendez, mais il y a... Attendez, il y a des minerais, il y a des perles. Attendez, mais c'est plutôt pas mal même. Alors, il y a des pioches, ok, pas mal. Des perles, pioche et fille 2.
En vrai, je vais tout récupérer. Hein. Vraiment, c'est la pauvreté là, cet épisode de duel de pillage. Il y a des petits trucs intéressants en vrai. Il y a des fonds inversés en items de collection. Ok, c'est pas mal. Alors, j'avais pas vu, mais côté TNT aussi, j'en ai récupéré pas mal. Du coup, quasi une trentaine de chaque côté. Donc, ça aussi, ça nous met extrêmement bien. J'ai vu qu'il y avait aussi des patates empoisonnées qu'on va récupérer parce que en items de collection, c'est assez galère à avoir. Donc, on va les récupérer. Celles, tickets, on peut garder. En vrai, ça peut s'échanger. Le lapis, on peut garder. Le stuff, on s'en fout un peu. Le stuff opale. Il y avait deux patates empoisonnées. Ici, il reste encore un peu de ressources. Il y a quatre opales, encore une autre pioche. Ok, pas mal. Le reste, on s'en fout un peu. Là vraiment c'est la galère. Les sels on peut garder et le reste la redstone qu'on peut revendre aussi. Et le reste malheureusement il n'y avait pas grand chose, mais peut-être qu'il y aura mieux juste après ici parce qu'il reste encore des petits coffres. Et voilà le coffre à péter, j'ai vu de l'iris et un peu de ressources, pas mal de blocs de fer aussi. Bah c'est plutôt pas mal, je pensais vraiment qu'il y aurait rien, mais bon on se met très bien en vrai. Le fer on va le garder pour le revendre plus tard. 63 blocs de fer, c'est pas mal. Encore un peu d'opale et le reste nous intéresse pas. Mais voilà, on aura terminé ce petit pillage claim qui était plutôt intéressant en vrai. Et du coup on va se retrouver un peu plus tard pour essayer de trouver une autre base, mais pour le moment je pense que je gagne largement le duel. À la fin, ce qu'il faut noter, c'est il ne faut pas s'affronter, il faut exactement. Oh regarde, oh, oh des buissons. Oh. Là, là. attends n'utilise pas ton creeper, let's go. Regarde, il y a ton meilleur ami Jean-Michel TNT qui pète des buffs. Regarde, fais-toi plaisir. Attends, il y a un point d'accès là-bas. Ah, il y a pas mal de coffres. Ouais, je t'ai dit, il y a beaucoup de coffres. Hein. Oh, ils sont rangés et tout, c'est trop sympa. Oh, mais c'est trop gentil pour nous. Oh, regarde, ici il y a beaucoup de bottles. En plus, j'ai masse explorateur, on va pouvoir économiser. On va commencer par les stuff, évidemment. Oh, des trucs en iris. Je vais chercher d'autres explos. T'as pas ce qu'il faut pour craft un super creep par hasard? Je peux, ouais. Vas-y, on va tout péter. Ouais, il va mettre un super creeper. Par contre, recule, hein, ton stuff de farm, il va sauter. Hein. Ouais. J'en ai 4 hein, de super creeper. Ah oui, d'accord. Ah là, il n'y a plus aucun respect des règles. Oh putain. Courez. T'as un lag. Oh. J'ai pas envie de m'approcher, toi. Il me reste un cœur. Oh putain, mais il y en a des livres. Oh putain, mais toutes les bottles. Oh, mais oh mec, regarde, les TNT. Il me reste un cœur, gros. Mec, TNT livre. Attends, faut qu'on se dépêche de faire des allers-retours. Je lag. Vite, faut qu'on se dépêche de faire des allers-retours. Oh mec, toutes les bottles, c'est incroyable. Ah ouais, mais c'est incroyable, hein. Vraiment. Mec, il y a de la TNT. Ouais, j'ai vu, il y a des perles et tout. Et les livres sont intéressants. Mec, je suis... Oh mec, il y a même des livres grimoire. Hein. Ah ouais. La richesse légendaire et tout. Bah attends, mais il y a un grimoire. Oh, pas, je crois, ils l'ont gardé. Ah oui, il y a beaucoup de stacks de bois magique. Sérieux? Enfin, là, j'ai eu un stack, deux stacks de bois magique. Oh, il y a un boost d'XP de classe marchande. Alors, heureusement, tu es disqualifié, tu as utilisé un super creeper. Il y a une masse. Le sang de vie, hein, il faut persévérer dans la vie. Il y avait encore des trucs. Toujours. Je vais juste voir, ceux-là, ils m'intéressent de coffre. Au pire, j'ai un expo. Je suis en train de regarder avec un expo, moi aussi. Hein. Okay, la cobble, attends. Ouais, c'est full cobble. Ici, un peu de merde. Okay. Ou feuille de tabac. Ah bon? Un stack de chenilles, des baies moisies, une baguette! Vas-y, hein, go faire péter ce coffre-là. Hein. Des cisailles en titane, ça se repère? Mec, ici, il y a 4 or pur. Comment tu sais? Bah, j'ai aussi un explorateur de coffres. Hein. Parce qu'il y a que ces coffres qui sont intéressants, là. Ok, okay. Je paye. Pas si je pète tout, là. Vas-y. Hein. Attends. Faut le taper en même temps, le creeper. Non, bah alors là, t'as fait vraiment une connerie. Non, mais t'abuses. Ah non, regarde. Mais non, mais c'est de la merde. Non, mais c'est de la merde ce que t'as fait, là. Il y a 6 feuilles de tabac. En fait, je voulais le taper en même temps, mais ça a pas marché. J'ai récupéré la mini baguette magique. Il était pas mal ce coffre. Attends. Du coup, t'aurais pu en péter plus. T'inquiète, je gère. Oh, je sens qu'il va rater. Ok, ça va, c'est mieux. Il y a un peu de. Ah, mais attends, il y a des arbres. Attends, mais il y a combien. C'est des arbres, ça, non? Ou c'est des fleurs? Ah oui. Attends, il y en a combien? Il y en a 8. Oh, ah non, c'est des pousses d'arbres. Ah oui, mais c'est ouais, ça. C'est des pousses d'arbres. Oh, incroyable. 8, c'est rentable. Hein. Attends, moi, je vais juste péter ça pour l'or pur. Vas-y. Voilà. Ok, 4 or pur, c'est pas mal. Il en faut 4 autres pour une bague, donc en vrai, c'est stonk ça. Regarde là! Quel chien! À chaque fois, il me fait avoir. Ah oui, il y a des potions améliorées et tout. Oh, c'est pas mal. On va se passer mytho, j'ai perdu le duel, mais au moins on termine sur un ouais, piège, quoi. Ouais, on termine sur une bonne note, c'est tout ce qu'il faut retenir. Hein. Par contre, maintenant qu'on a mis tout ça ici, en fait, il va falloir tout le déplacer dans nos bases. Allez, dernier coup de creeper. Moi, je vais pas me faire avoir. N'hésite pas à le taper. Voilà. Ce petit bâtard. Ah bah, ça a pété l'autre, au moins B9. Ok, bah, y'a rien d'autre. Y'a que des plantations niveau 1, je pense. Bon, bah, voilà. Voilà, maintenant on peut tout faire péter. Et voilà. Let's go, on fait tout péter. Et là, je me suis vraiment gouré de TNT, le malaise. Oh putain. Bon. Bon bah GG à toi. Hein. Ouais bah GG. Hein. En vrai, j'ai envie de laisser sur un match nul parce qu'en vrai, j'ai trouvé des pièges plus rapidement que toi. Du coup, normalement, j'ai gagné le duel et après, tu nous ramènes un très bon piège. Donc, j'ai envie de rester sur un match nul, tu vois. On peut faire ça, on peut faire moi, ça me va. Moi, je perds pas. Parce qu'en vrai, tu ramènes comme une bonne base. Allez, mais je donnerai quand même
Les petits PV, voilà le petit Ah geste. là 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 là, qu'est-ce qu'il est Ça fait généreux. plaisir, quoi. Et moi, si je retrouve ma photo, je la flouterai et je l'enverrai. On va arrêter ce petit duel-là parce qu'il est quand même 4 h du matin. Et Price, on Vas-y, se vas-y. retrouvera par notre duel, peut-être autre que piège, parce que là, c'était très compliqué aujourd'hui. Ouais, j'avoue que c'était Mais... très très long. On a bouffé du village, mais ça a été récompensé. Et en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même si là, nous, on va couper notre record, il va falloir tout déplacer chez nous. Et bien voilà, j'espère que ce duel de pillage un peu spécial vous aura plu. Du coup, on termine sur un match nul. Du coup, c'est extrêmement rare en duel de pillage. Parce que c'était un peu spécial, parce que pendant la première heure, moi, j'avais trouvé beaucoup de pillage, mais pas ouf. Et Price, après 3 heures, avait trouvé un gros pillage. Du coup, on a préféré se dire qu'on finit sur un match nul. Et du coup, bah, des deux côtés, vous avez des récompenses. Donc moi, je vais vous faire gagner 2500 points boutique. Du coup, pour participer, c'est très simple. Vous devez mettre votre pseudo dans les commentaires et du coup dire que c'était un match nul qui est arrivé, parce que c'est rare que ce soit un match nul. Du coup, il n'y a pas eu de gagnant. Et du coup, si vous voulez gagner encore plus de points boutique, allez voir la vidéo de Price parce qu'il va aussi en faire gagner. Mais du coup voilà pour ce duel de pillage. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé refaire un petit duel de pillage, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas fait. Je crois même que la dernière fois c'était avec Price qu'on en avait fait, mais du coup pourquoi pas en faire un peu plus régulièrement, peut-être une fois toutes les 2 semaines, ça pourrait être vraiment sympa. Du coup demain normalement vous aurez un épisode sur la pioche de richesse. Du coup on va tryhard cette pioche qui est vraiment très très abusée, bah quand vous l'avez surtout pour le titane. Et du coup je pense qu'on tryhardera ça demain. Et bien sur ce les gars, je vous dis à demain sur Nexion. Allez, bye bye.